Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission sur l'interprétation des rêves. C'est une émission où nous décortiquons vos rêves et nous vous donnons l'interprétation biblique. Alors, restez connectés parce que ce soir ou ce matin, nous allons parler d'un rêve qui dérange beaucoup de gens. Un rêve qui vous met mal à l'aise. Rêver de son ex. Quelle signification, quelle interprétation. Voilà, avant de commencer, je vais vous dire qu'il y a des livres que j'ai écrits sur les rêves. Il y en a 7. Et vous pouvez commander ces livres-là au numéro qui est au bas de votre écran. Ces livres-là vont vous aider à entrer vraiment en profondeur dans la connaissance et la compréhension de vos rêves. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissance. Voilà, nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous sommes à tes pieds, nous voulons apprendre de toi, enseigne-nous. Cher Saint-Esprit, c'est toi le meilleur interprète des rêves. Interprète nos rêves, donne-nous des solutions et que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Prenez avec moi la parole de Dieu. Job 33, le verset 14 à 17. La Bible dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Le rêve des ex est devenu très courant et perturbe beaucoup de gens au travers le monde. Comment interpréter ces rêves? Quelle est la signification de voir son ex alors qu'on ne pense pas à lui? Voilà les choses auxquelles nous allons partager. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que chaque rêve qui te ramène à ton passé, c'est un rêve de régression. C'est un mauvais rêve. Par exemple, les rêves où tu te vois dans une maison que tu as quittée. Les rêves où tu te vois dans une position inférieure à ta position actuelle, ce sont des rêves de régression et de blocage. Et beaucoup de gens qui font les rêves des ex vont constater des problèmes de blocage et même de régression dans la vie. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Quel est le message de voir son ex dans les rêves? 1. Voir son ex dans les rêves peut signifier qu'il y a un problème dans ton passé que tu n'as pas résolu. Donc il faut traiter avec ton passé. Quand tu vois souvent ton ex, sache que le message est qu'il y a un problème dans ton passé que tu n'as pas résolu. Ce problème est en train d'affecter ton présent et il faut le résoudre. Deuxièmement, voir son ex peut signifier qu'il y a un lien d'âme fort qui n'a pas été brisé. C'est vrai, vous vous êtes séparés physiquement, mais spirituellement, le lien d'âme n'a pas été brisé. C'est pourquoi tu le vois apparaître dans tes rêves. C'est le signe que tu as besoin de la délivrance. Troisièmement, ça peut être aussi que tu as été marqué par cette relation au point où tu n'arrives pas à oublier ton ex. Et cela est en train d'affecter ta relation présente. J'ai reçu des hommes et des femmes pour avoir le plaisir. Ils doivent penser à leur ex.
Et c'est des choses qui sont en train de détruire les relations présentes. Quatrièmement, ça peut être aussi le signe que les démons sont en train de jouer avec tes émotions pour créer la confusion. Le rêve de ex, des fois, ça amène la confusion. Il y a des gens, par exemple, tu es là, tu vois ton ex venir dans tes rêves, s'excuser, te proposer un mariage, s'agenouiller devant toi, demander ta main à nouveau. Et tu es confus, tu es confuse. Faut-il que je puisse retourner avec mon ex? Que veut dire ces rêves? Donc les démons peuvent utiliser les rêves des ex pour jouer à tes émotions, amener la confusion, le retard. C'est un rêve aussi pour bloquer tes futures relations. J'ai reçu le cas d'un frère. Il s'est séparé avec la mère de ses enfants. Elle est partie, elle a refait sa vie, mais lui, il est bloqué. Au niveau de relation, ça ne marche pas. Et tout le temps, il ne fait que rêver son ex, son ex, son ex. J'ai reçu aussi le cas d'une femme qui n'arrive pas à refaire sa vie. Et toutes les nuits, elle se voit toujours avec son ex. Ils sont ensemble, ils font des courses, et ainsi de suite. Donc c'est un mauvais rêve qui amène le blocage dans le futur relation. Sixièmement, voir son ex dans les rêves peut être le signe qu'il y a une alliance spirituelle qui n'est pas brisée. Des fois, ça peut être une alliance de sang. J'ai reçu le cas d'un frère qui voyait souvent son ex. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris qu'ils avaient fait tisser une alliance par les rapports sexuels pendant les menstrues. D'autres ont fait des alliances de sang. D'autres ont eu des rapports sexuels pendant les menstrues. Ce sont des alliances qui feront à ce que tout le temps tu puisses rêver de ton ex. Mais aussi des alliances avec serment. Quand tu promets à quelqu'un, je te serai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et après un certain temps, vous rompez. C'est normal que cette personne, que vous puissiez tout le temps le voir dans vos rêves. Parce que l'alliance a été tissée par les paroles et les promesses et le feu. Septièmement, voir son ex peut être une attaque de l'ennemi Satan pour introduire en toi des mauvais désirs. Te pousser à l'adultère ou à la fornication, détruire ta relation présente, mettre des incompréhensions et même amener au divorce. Certaines femmes célibataires, le rêve des ex peut les conduire à faire de mauvais choix, à tomber sur des personnes moins sérieuses. D'autres, le rêve des ex peut conduire le rejet et même les déceptions. J'ai reçu aussi des cas de femmes qui ont eu plusieurs ex. Et la nuit, il peut se voir avec ex A, l'autre nuit avec ex B, ex C, ainsi de suite. Souvent, c'est un esprit de mari de nuit qui prend l'identité de tes ex pour t'attaquer. Ma prière, tout esprit qui prend l'identité de ton ex pour t'attaquer, soit arrêté et chassé au nom de Jésus-Christ. Donc les rêves de ex peuvent aussi signifier une attaque des esprits de mari et femme de nuit. Surtout quand vous avez des rapports sexuels la nuit avec ton ex, c'est un mauvais signe. Tu as besoin de la délivrance des esprits de mari et femme de nuit. Toi qui es touché, toi qui vois régulièrement que tu as des couches de nuit avec ton ex,
Il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Appelle vite et nous allons t'aider pour ta délivrance au nom de Jésus. Donc il y a une alliance sexuelle. Et souvent, je reçois des cas de femmes à la veille d'une percée. Il voit son ex et les choses s'écartent. C'est rêve qui amène la malchance. D'autres, tu vois, tu couches avec ton ex. Et dès que tu fais l'acte, la veille, c'est le rejet, c'est la honte et la disgrâce. Je vois tout esprit de mari, femme de nuit, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il nous a libérés pour que nous puissions marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Dans les variantes, il y en a beaucoup, mais le plus important et le plus significatif, c'est quand tu vois ton ex en train de te nourrir, ça c'est mauvais, c'est que ton ex t'a initié dans l'alliance de la sorcellerie. Il faut prier pour briser l'alliance de sorcellerie au nom de Jésus. Se voir manger avec son ex, voir son ex t'apporter la nourriture, te faire à manger, c'est un mauvais signe. J'ai reçu le cas d'un frère comme ça. La nuit, il voyait son ex lui apporter à manger. Et il mangeait. Et ses affaires étaient bloquées. Le frère a commencé à développer des maladies bizarres. Et quand il a fait part de ses rêves, le Seigneur m'a dit, son ex-femme lui a initié dans la sorcellerie. Nous avons commencé à prier. Et l'esprit de son ex-femme s'est manifesté. Et l'esprit disait, je l'ai envoûté. Quand on était ensemble, les nourritures que je faisais manger, c'était l'envoûtement. Ma prière, toute personne qui t'a envoûté par la nourriture, que cette nourriture soit neutralisée, que ça soit expulsé de ton système, au nom de Jésus de Nazareth, donne-moi un bon amen et reçois ta délivrance au nom de Jésus. Une dernière variante de ces rêves qui est positif, c'est rêver de se séparer avec son ex. Quand tu rêves que tu te sépares avec ton ex, ça c'est très bon. Ça veut dire qu'il y a le divorce spirituel. Ça veut dire que les esprits de ton ex ne vont plus te déranger. Oh, que Dieu te libère de ton ex au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde un nouveau départ au nom de Jésus. Père, merci pour ce temps. Je t'ai pris de bénir ton peuple. Je t'ai pris de délivrer ton peuple de tout mauvais lien d'âme. J'ai pris, Seigneur, tout esprit qui prend la forme, l'identité de l'ex de mon frère, de ma soeur, pour venir l'attaquer. Je l'arrête. J'ai pris son alliance et je les chasse au nom de Jésus. J'ordonne le divorce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré, sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Toi qui as des problèmes, des rêves des ex, il y a un numéro au bas de votre écran. Écris-moi vite à ce numéro et je vais t'assister pour ta délivrance. Alors merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Paty. Shalom, shalom, shalom.